les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approche de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Veuillez vous mettre en place. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. À travers les textes de ce jour, frères et sœurs, nous sommes invités à comprendre qu'il y a des étapes particulières pour avoir la vie éternelle. Et Jésus va nous le faire comprendre. Et les textes même de la semaine passée même peuvent nous aider également à comprendre un peu la première étape pour avoir cette vie éternelle. Et la première lecture entre dans ce sillage. La semaine passée, pour ceux qui se rappellent qui étaient là, Josué a demandé au peuple d'Israël, « Choisissez-vous Dieu, le Dieu Tout-Puissant, bien le Dieu des Amorites. » Et le peuple d'Israël a répondu entièrement, tout le monde a répondu que nous voulons choisir Dieu. Donc la première étape, c'est d'abord le choix de Dieu, savoir dire oui à Dieu. Et nous voyons dans cette première lecture que nous venons d'entendre que ce peuple d'Israël n'a pas été fidèle à sa parole. Ce même peuple d'Israël qui a dit oui à Josué, Josué qui est mort, ce même peuple d'Israël avec les juges commence à dire non et à adorer d'autres dieux. Donc la première étape pour véritablement avoir cette vie éternelle, c'est dire oui à Dieu. Donc oui, je suis prêt pour servir le Seigneur. Et Jésus dans l'évangile va nous aider à comprendre la deuxième étape. La deuxième étape, quand j'ai fini de dire oui à Dieu, il faut que maintenant je puisse mettre le commandement de Dieu en pratique. Alors quand ce jeune homme vient voir Jésus, Jésus lui dit, mets les commandements de Dieu en pratique si vraiment tu veux avoir la vie éternelle. C'est vrai que tu as dit oui. Maintenant, est-ce que les commandements que Moïse a donnés, est-ce que tu les mets en pratique? Voilà la demande. Et ce jeune homme-là, il met tous les commandements de Dieu en pratique. Jésus fait exprès pour citer encore tous les commandements de Dieu. Il dit, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Honore ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Et tout cela, le jeune homme l'a mis en pratique. Et Jésus est heureux de savoir que ce jeune homme a mis tout cela en pratique. Et il lui dit à la fin, si vraiment tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. En d'autres termes, se déposséder de soi-même pour donner sa vie tout entière à Dieu. La troisième étape. Quand j'ai fini de mettre les commandements de Dieu en pratique, il faut vraiment que ma vie tout entière soit tournée vers Dieu. Que je ne sois pas attiré par le matériel, mais que mon regard soit tourné vers les réalités d'en haut. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide à pouvoir véritablement dépasser toutes ces étapes. C'est vrai que c'est difficile. Souvent même, nous ne sommes même pas encore arrivés à la première étape. Et on a du mal à arriver à la deuxième étape. Mais avec la grâce de Dieu, on peut tout faire.